Okay, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vidéo. Aujourd'hui, je décide de filmer une vidéo en pyjama. Dans le fond, c'est pour présenter le cadeau de Noël que j'ai eu cette année. Puis, je vais vous montrer les achats que j'ai fait avec les sous que j'ai eu. Donc, commencer par le premier cadeau. En fait, c'est comme deux cadeaux, si tu veux. C'est mon amie Stéphanie qui a commencé à m'acheter des chandelles Warden. Moi aussi, acheté au clair de lune, une couverture sirène. Elle est vraiment cute. Donc, merci beaucoup, c'était. De la part de mes beaux parents, j'ai eu un beau, super de beau fer à friser rusk. C'est une super de belle mère. Puis la mère m'a dit ma coiffeuse. C'était facile pour elle d'en avoir. La maman de mon amie Nessa Black, Eve, elle nous a acheté à. Je pense que trois de mes amis, du coup. Elle nous a acheté une tasse comme ça, puis un petit infuseur en boule dedans, c'est vraiment fun. Ma chumère a vraiment fait une folie. Puis, elle m'a acheté un calendrier été parce que le deuxième, je pense, revenait à 50% de rabais quand elle l'a acheté. Là, je n'irai pas au merci à toutes les fois parce que j'aurais déjà tout dit merci. Mon ami Kim a vraiment fait quelque chose là, c'est comme un bloc-notes, mais avec une photo de nous quatre cet été. Je mettrai des photos sur ma page Facebook. De la part de l'ami, de ma mère à mon ami. C'est ça vient clair de l'eau encore. Là, je vais essayer de le sortir sans rien casser. C'est vraiment beau. Je veux au moins que ça rende hommage. C'est une affaire comme ça avec. Ça, j'ai mon nom d'amis. Avec une chandelle trop mèche comme ça. Ok, ça, c'est des amis, sans oublier. Excuse-moi, tu sais, je garage tout et tout ça. Je garage ça un peu plus tard. Puis, j'ai eu aussi trois couteaux. Que là, sont dans ma cuisine, ça ne m'était pas sorti. Puis, de mon copain, j'ai eu un cuisson à riz, cette fonction Ricardo, puis je l'aime. J'aime beaucoup. Cadeau, puis en tout cas, je trouve vraiment que j'ai complètement dit de tomber sur la tête quand j'ai vu qu'il m'avait acheté ça. Merci encore. Donc là, on va passer au haul de ce que j'ai acheté. On va commencer par chez Urban Direct. C'est comme bien d'avoir cette condition que j'avais. Je me suis acheté un petit coussin comme ça qui, à place d'un 9,99, il était. En fond, c'est 5$. Puis j'ai du blanc, j'aime beaucoup le rose gold et tout ça, que je trouvais que c'était pour bien m'acheter. Je me suis acheté aussi un. Je suis désolée pour ma coiffure. On va essayer de vous montrer ça. Je me suis acheté comme des élastiques en tourbillon comme ça, rose gold. Ça aussi, c'était comme 3 pièces, puis c'était à 50% à cause de Noël, évidemment. La dernière chose que je me suis pris, c'est un genre de petit haut comme ça. Là. Je sais que tu vas l'avoir tout avec ça, mais je vais mettre une camisole en dessous. Puis je mets vraiment la manche ici qui est écrit Furs. C'est rose gold, évidemment. C'est ce que j'ai acheté. Chez Urban Direct. Oh, mais c'est que je n'ai pas fait encore. Ok. Chez Arden, j'ai acheté quand même beaucoup de choses. Mais c'est comme toutes des choses que j'ai pas dans mon Arden ici. Fait que j'étais vraiment contente. Ça, je pense que c'est à 50%. Celui-là va. C'est une paire de skinny gris bien normal. J'aime vraiment bien. Je trouve qu'elle crée ça va avec tout. C'est vraiment une de mes couleurs préférées. Ça, c'est avec les sous que j'ai eu de mon père puis de mon oncle. Ben, de mon oncle, pas pour ça. Ça, il était à 50% aussi. À cause du temps des fêtes. C'est un petit pull. Comme un vieux rose, si vous voulez. Il y a de l'arcose. Je vais mettre une camisole en dessous. Puis il est comme tout tressé dans le dos, comme ça. J'aime vraiment ça, les petites lignes comme ça, par temps froid, parce que cet assis fait vraiment froid.
Et ça m'a quand j'ai acheté ça, je vais prendre ça dans ma salle de vidéo quand je vais finir de la monter. Des crêpes Steve for life. Ça aussi c'était dans 50%, si je me trompe, si je me trompe pas. Un chandail bien rayé, bien simple avec la petite dentelle. J'aimais vraiment le détail que ça faisait. Aussi, il est dans les 3 pour 15. Il y avait. J'ai acheté au début, j'ai acheté la petite camisole-là pour mettre en dessous de mon pull, mettons. J'ai pris elle. J'ai pris. J'aime bien ça mettre des camisoles de cette enceinte sur mes vêtements ou mes chemises et tout ça. Celle-là, qui est grise. Puis j'en ai pris une qui est un peu plus foncée, comme plus débardeur un peu. Puis les deux dernières choses que j'ai pas mis, comme toutes les bordelles brésiliennes, puis tout ça, c'était tout à 5%. Fait que j'en ai pris comme un vieux rose comme ça. Puis j'en ai pris un autre dans le même genre un peu, mais avec bordelle d'une autre couleur. Donc, Chardenne avec toutes les 50%. Ah, oh, puis j'ai oublié de vous montrer aussi, je me suis acheté un nouveau portefeuille. Avec toutes les ventes à 50%, j'ai économisé 59,20$. Fait que je suis très contente. J'ai beaucoup économisé. Chardenne, c'est fini. Juste rendu ça, puis je vais aller le serrer plus tard. C'est pas grave. Là, j'espère que ça filme encore. Je vais filmer. Je vais amener mes deux derniers sacs autour de moi. Je vais continuer avec le Walmart. Ça, c'est mon papier qui a décidé de faire un colis parce qu'il sait que j'aime mignon. J'ai acheté comme une affaire de mignon pour que je mette des batteries dedans. En tout cas, ça. Ça, c'est une petite affaire que j'ai faite d'un autre pour Opération Soleil. Je me suis acheté une palette de fards illuminateurs de chez ELF. J'aime beaucoup leurs produits. Puis j'avais le goût d'essayer une nouvelle palette d'illuminateurs parce que celui-là que j'ai en ce moment il est en bâton. J'avais le goût d'essayer une autre chose, comme le packaging ressemble à ça de l'extérieur. À l'intérieur, j'ai 4 highlights comme ça. La palette est vraiment belle. J'aime ça. La highlight de ce temps-là, j'aime vraiment ça. Je trouve que ça fait une belle brillance. Puis c'est temps d'aller des fêtes. Puis ça, j'aime bien ça. Puis je me suis acheté une autre fond de teint de Rimmel London. C'est le Stay Matte. C'est un fond de teint mousse liquide. Texture légère anti-brillante. Puis ça, c'est parfait pour moi parce que j'ai la peau grasse. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Au pire, je ferai une revue de. Nouveau produit. Au pire des deux, je vous montre ça. J'ai aussi été chez le garage. Il y avait des beaux rabais aussi. C'est très très rare que je vois parce que je trouve que ça coûte cher. Mais je me suis acheté deux choses. Je me suis acheté un t-shirt comme ça qui a comme des manches comme un curvé ici. Puis à la place d'être 19,95$, il était 10$. Il y en avait plein de beaux. Puis en plus, on tournait une roulette. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est ça que vous pas, parce qu'on tournait une roulette. On avait droit à un certain pourcentage de plus ou des sous de rabais. Puis j'avais 15% en plus, fait que j'ai économisé les taxes. Puis je me suis pris une paire de shorts comme ça. J'aime bien ça. Puis eux autres qui étaient 10$ aussi à la place de 19,95$. Il me reste une dernière place à vous montrer. Chez Petit, là, parce que j'ai pas mis des choses pour moi aussi parce qu'elle avait comme ça à faire là. Mais je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour moi. Puis si elle le voudra, ben vous montrez ces choses. On va commencer par. Je me suis acheté un mug comme ça, légendaire d'Aviti. Ça faisait super longtemps que j'en voulais un. Il est comme de même à l'intérieur. Puis je le voyais tout le temps sur le site internet. Puis j'étais tout le temps comme à me le commander. Mais là, je m'en suis acheté un. Comme thé aussi, je me suis pris
il y avait comme des. C'était la vente semi-annuelle. Fait que ça, à place d'être 17,96, il était à 10,78. C'est un 100 g de gelato à la lime. Je me suis pris aussi un 100 g de coquette aux carottes. C'est un super bon. Ça, je pense qu'il était 9 $ là. Comparé d'habitude, en plus j'ai pas de couleur. Puis je me suis pris un 50 g de limonade électrique que j'aime bien. Tant qu'à ça, je pense que je vais vous montrer ce que j'ai pris pour mon ami Elle. Ça c'était à 3 pour 10 $, donc j'ai pogné un truc Lady Marmalade comme ça. C'est tout des sachets. J'ai un petit truc comme ça que je pense dans une prochaine fois. C'est à partir du 1er au 7, au 27 janvier, une tasse de thé gratuite chez Davidity. Pour continuer dans les boîtes, j'ai pogné chai au chocolat blanc. Je crois qu'elle va l'aimer. Puis j'ai pogné aussi scone orange et noix. Parce qu'elle avait une carte cadeau, puis elle voulait que j'aille la changer. Puis le secret du Père Noël. C'est un support de bon thé noir que j'aime vraiment beaucoup. Puis on a pas mal le même goût. Fait que j'ai pogné ça. Donc. Et moi, je range en même temps. Donc, c'est tout pour la vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. Puis, on se revoit à la prochaine. Bye tout le monde!